Voilà, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Oh, désolé. Que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses vous soit abondamment accordée. Bonjour à mon fils, le révérend Romain. Bonjour à la servante du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Hopefully, Florence Joyce. God bless this morning. Et bonjour à Yasmine Frida Ouédraogo. Oh, ça c'est un très beau nom. Oh, bonjour à Nater Chiarusha. Amen. Amen, servante du Dieu vivant. Nathalie Yasmine Mogo. Bonjour, papa. Bonjour à vous aussi. Honoré Olympio, waouh. Comment va le Togo? Bonjour à vous. À Brice Henry, bonjour. À Vicky Mbonke. Oh. À Gente Jacqueline, ma fille chérie, que Dieu vous bénisse. Valence Osée, Soga, Soga. Que Dieu vous bénisse. Ah, Isabelle Nicole, Béala, Béala. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous aussi. Donc, nous avons fini du côté de Berthois. On en a fini. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et, oh, on est rentré ce matin. On est arrivé. 2 heures, je pense. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés pendant la route, pendant le voyage, et surtout, nous sommes reconnaissants envers le préfet du Lom Njerem, le préfet de Kouaf, tout l'Est, qui a bien daigné faire le culte avec nous. Nous bénissons Dieu pour cela. Comme j'ai eu à dire, l'une de mes prières de façon constante devant Dieu, c'est que le Seigneur accorde à l'État de comprendre l'efficacité de l'Église par rapport à l'éducation de la nation, l'apport de l'Église. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste s'appuyer sur les dérives ecclésiastiques pour dire que non, les Églises dérangent et tout. Non, ce n'est pas toutes les Églises qui dérangent. Ce n'est pas toutes les Églises qui dérange. Donc c'est bien que les gens comprennent cela. On dit les hommes de Dieu sont des trouble-faits. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des trouble-faits. Dans chaque religion, dans chaque nation, dans chaque domaine, il y a toujours le bon et il y a le mauvais. Fabrice, fais-moi Artemis rapidement, s'il te plaît. Je t'ai dit que quand je suis à table, toujours le thé. Pourquoi je vais toujours répéter la même chose tous les jours? Hein? Vous aimez souvent comment? Les mêmes choses pendant des années. Je te dis, quand je suis à table, mets toujours le thé à côté. Parfois, on a envie aussi, parfois, tu dis une chose et c'est fini. On capte ça une fois pour toutes et tous les jours. Donc, je disais que mon habitude, ma prière, c'est que le gouvernement, l'État, dans chaque nation, puisse comprendre l'apport de l'Église et des hommes de Dieu. Sincèrement, nous avons un grand rôle dans chaque nation. L'Église, on ne peut pas jouer avec l'Église parce que les hommes de Dieu sont des éducateurs. Je parle de ceux qui font leur travail avec efficacité, avec simplicité de cœur et droiture de cœur, qui s'efforcent à travailler selon les recommandations que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la grande moisson, leur a données. Donc un homme de Dieu normal est un bénéfice pour sa nation, pour son pays. Les gens devraient comprendre cela. Oui, quand nous voyageons, nous parlons à des milliers de personnes. Hier, on était plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes. Ouais, et quand on parle de 2000 personnes, ça fait combien de maisons? Ces 2000 personnes habitent combien de maisons? C'est des quartiers, des quartiers. Ce n'est pas négligeable dans tous les cas. Ça, c'est ceux qui se déplacent. Et on ne parle pas de ceux qui restent dans leur maison, qui n'ont pas l'occasion de venir à l'église, ceux qui ne sont pas au courant du programme parce qu'ils n'ont pas suivi la télé, ou ceux qui sont restés suivre ça à la télé, ou bien sur Facebook, ou je ne sais pas par quel autre moyen. Donc, ça montre l'influence que les hommes de Dieu ont sur la population, et les populations nous écoutent. Les gens nous écoutent, mes amis. Parce qu'ils savent et ils croient fermement que nous sommes la bouche de Dieu pour leur vie.
Et c'est ça la vérité. Donc, normalement, dans des conditions comme celle-là, l'Église et l'État doivent travailler de commun accord. Il y a parfois des prédicateurs qui révoltent l'Église contre le gouvernement, contre l'État. Et je pense que c'est pour ça que certains membres du gouvernement pensent que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Non. La Bible est très claire. L'Église n'est pas là pour combattre l'État. L'Église, comme l'apôtre Paul le dira clairement dans Romains chapitre 13, il dit clairement que toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et que l'Église devrait travailler en collaboration avec l'État. Donc nous travaillons, nous faisons ce que Dieu nous a mis à cœur. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent non, l'Église ne doit pas soutenir l'État. Parce que c'est deux entités différentes. C'est que vous ne lisez pas bien la Bible, en fait. Non. Un homme de Dieu ne doit pas révolter les gens qu'il dirige contre les autorités établies. À moins qu'il n'y ait des lois qui sont contre nature. Dans ce cas-là, on va se souvenir de l'époque de l'Inquisition, avec les dix rois romains, à l'époque de l'Inquisition. Là, l'Église peut se lever et dire non. Ici, c'est pas bien. Voilà, donc il y a des choses, des dépravations, des mœurs. L'Église reste toujours dans une nation le thermostat de la bonne moralité. C'est ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une loi contre Dieu, une loi contre nature, l'Église doit toujours soutenir l'État. C'est-à-dire qu'en éduquant le peuple et tout, ça ne veut pas parler de politique. Je ne parle pas de faire de la politique et tout cela, mais. Je parle de faire son travail. Parce qu'en bâtissant un homme, vous bâtissez une nation. C'est ça, en fait, c'est ça la vérité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a aidés dans sa fidélité. On a fini du côté de Berthois et nous sommes à Yaoundé pour la grande nuit des flammes qui va commencer ce soir à 21h. Et ce dimanche, à partir de 8h, nous avons un grand culte toujours à la bille. C'est à la bille. Donc, ce soir à 21h, je voudrais t'inviter, bien-aimé, toi qui es à Yaoundé ou bien dans ces parages, ou alors toi qui es très loin, d'être connecté ce soir. Nous partagerons ensemble ces moments extraordinaires, ces moments de bénédiction, ces moments de grâce, ces moments de beauté dans la présence de Dieu. Et je pense que chacun de nous sera heureux de passer ce temps avec le Seigneur. Le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur est bon, il est vivant, il est souverain. Et il se manifestera encore puissamment. Donc, toute la ville de Yaoundé est invitée à la grande nuit des flammes. Je serai là avec le docteur Noka. Nous allons travailler à votre salut, à votre éducation spirituelle et surtout prier avec vous d'un commun accord afin que le Dieu des cieux nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il aide chacun de nous à trouver son chemin sur cette terre des vivants. Que Dieu nous aide, qu'il nous oriente. Comme il a dit dans Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parfois, dans nos vies, nous avons juste besoin que Dieu nous montre la voie que nous devons suivre. Parce que tant qu'on n'a pas la voie, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc, ça, c'est très important. Je voudrais exhorter tous les bien-aimés qui sont loin d'être connectés massivement. La main de Dieu manifestera sa gloire encore. Partageons la vidéo et envoyons des pouces bleus. Envoyons des j'aime. Partage la vidéo où que tu sois. Donc, nous bénissons Dieu pour cela. Et en septembre, s'il plaît à Dieu, nous avons ce grand programme du côté de Paris. Je serai à Paris en septembre. Je serai à Paris, toujours à la Lune d'Or. Nous serons là, les dates vous seront communiquées à partir de la semaine prochaine. Donc, je serai à Paris. On va avoir notre grande nuit de prière. On aura notre conférence avec les partenaires, et puis on aura aussi le culte, voilà. Et les partenaires que j'ai pas pu recevoir la dernière fois, à qui j'avais promis réception, je pense que quand je serai là, je prendrai un temps pour les recevoir. Ceux qui étaient dans l'ancienne liste. Bon, maintenant, les nouveaux, nous allons aussi travailler pour voir comment Dieu nous aidera, nous orientera dans tous les cas. Nous bénissons Dieu. Il est souverain. Il est grand, il est bien, notre Dieu. Il est très bien, je vous assure. Le Seigneur est bon. Donc voilà, bien-aimé, je reviens sur Berthois. Dieu a été fidèle. Et quand tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu est fidèle. Ce n'est pas la main de quelqu'un.
Ce n'est pas la main de quelqu'un. Je me souviens, un jour, je dormais, lorsque dans une vision, un ange du Seigneur m'est apparu. L'ange du Seigneur m'est apparu et il m'a dit, est-ce que tu sais que parmi tes frères, tu es l'un de ceux à qui Dieu a confié le plus grand nombre de brebis? Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé. C'est ce jour que j'ai réalisé qu'en fait, la vérité, c'est que j'ai une grosse responsabilité. Vous voyez? Nous regardons dans toutes nos églises au Cameroun, nous avons des méga églises, des églises qui rassemblent des milliers de personnes. Des milliers de personnes, vous voyez. On m'a fait le rapport numérique. Bonjour, par la chaise, ma fille. Viens dire bonjour aux gens. Tes lèvres sont sèches. Dis bonjour aux gens. Papa, bonjour, j'espère que vous allez bien. Attends. Alors, Juste bonjour. bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Mmh. Mmh. Ah, tu dis? Oui, mais parce que je suis content. Tu sais que tu as une fourchette ici. Tu savais que tu as une fourchette ici, hein? Tu le sais. Elle est jolie, hein, ta fourchette. Oh, papa. Je t'aime. Papa, 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 Tout à papa. l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, alors. Tout à l'heure. Est-ce que Tout à l'heure. le soir, je serai ma mamie privée? Tout à l'heure. J'attends, je le dirai. Voilà, nous allons. J'étais en train de dire que mon âme bénit le Seigneur pour ce qui s'est passé du côté de Berthois. Parce que la fidélité de Dieu s'est manifestée. Vous voyez, on a reçu le préfet. On a reçu le préfet qui est venu et qui a fait le culte avec nous. Et pour moi, c'est un signe de démarcation, en fait. C'est un signe de démarcation. On a besoin dans chaque nation des dirigeants qui comprennent que quels que soient les postes que nous occupons, et Dieu d'abord, mes amis. Dieu d'abord. Ce n'est pas une question de religion, en fait. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de bonne conscience. La Bible dit dans Somme 14, verset 1, il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne qui pense que Dieu n'existe pas, la Bible l'appelle insensé. C'est important que les gouvernants, les dirigeants de ce pays et d'autres nations comprennent que l'Église n'est pas l'ennemi de l'État. Parce que parfois, on a certains dirigeants qui n'ont pas, toujours ne regardent pas l'Église d'un bon œil. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours engagés comme étant ennemis de l'Église. Parfois, on a rencontré certaines autorités administratives qui ont dit que ah, les églises, les bêtises là, si moi j'étais au pouvoir, j'aurais fermé toutes les bêtises là. Ouais, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, mes amis. On ne fait pas ça. Et j'ai donné un conseil aux gens. J'ai dit que on ne combat pas la religion. Lorsque vous êtes un dirigeant, il faut faire attention. Il faut éviter de combattre la religion. Parce que même si Dieu n'est pas dans la religion, les pratiques mystiques vont vous mettre par terre. Parce que c'est tout un système, c'est un ensemble de tout. C'est tout un système. Donc, c'est important, lorsque nous voyons des dirigeants, comme le préfet l'a fait, et comme dans d'autres villes de ce pays où j'ai eu la grâce et l'opportunité de rencontrer ceux à qui Dieu a donné le pouvoir dans cette nation, mais qui ont du respect. Qui ont du respect, je vous assure, pour les hommes de Dieu, des grands. Et comme je disais hier, quand je rentrais le docteur Enoch Narcisse, parfois ce sont même les subalternes là, ceux qui sont en bas, qui méprisaient les hommes de Dieu. Pourtant, leurs patrons connaissent la gloire de Dieu. C'est aussi pour cela que Dieu les élève. Vous voyez. Vous parlez, un policier vous parle. J'ai raconté l'histoire, et ce n'est même pas la seule histoire. J'en ai tellement vécu et tellement raconté. Tellement vécu et tellement raconté. Tellement vécu et tellement à raconter, mes amis. On tente de rentrer de notre campagne du côté de Douala. La dernière mission que j'ai faite à Douala avec le docteur Noka pour aller à Berton, on revenait ici. Et je me présente, et l'officier qui m'arrête en route, il regarde, il demande mes pièces personnelles, je donne, il demande les pièces de la voiture, il regarde la carte grise. Et puis,
Il demande mon permis de conduire. Bah, j'étais au volant parce que le chauffeur, je lui avais confié une mission. Il nous avait devancé. Donc, ah, je regarde dans mon sac, mon permis de conduire, je l'ai laissé à la maison. Puisque je n'avais pas l'intention de conduire. Et je trouve quand même le permis international qui était dans mon sac. J'enlève le permis international, je lui présente ça. C'était périmé, malheureusement. Il me dit que c'est périmé. Je lui dis désolé, vraiment. Et il dit, OK, je vais vous pénaliser. Je reste dans la voiture, il nous laisse là. Et puis il arrive, il me pose la question de savoir, il dit, je vais vous pénaliser. Je dis, pourquoi? Il dit qu'il y a un pasteur qui a ce genre de voiture. Et là, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui avait un problème personnel avec les hommes de Dieu. Mais il avait oublié, il dit que je suis un voleur, que c'est vous les voleurs qui dépouillez les brebis. Mais il parle en oubliant que eux, lui, dépouillaient les pauvres usagers en route, qui cotisaient les 500, 1000 francs, 2 500, 5 000 et tout ça là. Je suis descendu. Et jusque-là, vraiment, je n'avais pas pris ça comme un problème en tant que tel. Je suis descendu. Je lui ai demandé que, mais vous dites que moi, je ne dois pas avoir ce genre de voiture parce que je suis pasteur. Parce que les pasteurs sont maudits et damnés, c'est ça. Il lui a dit, c'est cette mentalité-là que nous allons changer dans ce pays. Vous êtes des personnes qui disent que pourquoi le chef de l'État roule dans une belle Range Rover. Vous oubliez que c'est le représentant de toute une nation. Il est l'emblème de son peuple. S'il porte la honte, c'est nous tous qui portons la honte. Ouais. Donc, après, je lui ai dit simplement, hein, vraiment, j'ai dit pardon. Ok, d'accord. Il a dit, je donne la convocation. J'ai dit, d'accord, sans problème. Je lui ai dit que normalement, vous avez le pouvoir ici. Vous représentez l'État. Il y a ce qu'on appelle quand même la tolérance administrative. Vous avez le pouvoir, soit de me punir, soit de me donner un avertissement. Disons que révérend, partez, mais prochainement, veillez à avoir votre permis. Rassurez-vous, fouillez votre sac bien. Et donc, et je le dis en plus, je me suis présenté comme pasteur. Et c'est nous qui prions pour vous, prions pour la nation et tout. Alors, il m'a dit que c'est même passé, tu es pasteur là, que je vais te traiter aujourd'hui. Parce que c'est vous qui volez l'argent des fidèles. Je lui ai dit que, et vous, votre argent que j'ai volé, c'est combien? C'est-à-dire que je n'arrive pas toujours à comprendre comment les gens peuvent avoir une mentalité aussi archaïque dans une génération comme celle-ci. Peut-être je ne peux pas lui en vouloir parce que certainement il ne me connaissait pas. Tu ne peux pas demander à un homme de Dieu qui a des milliers de fidèles de tous bords que son argent vient d'où. C'est-à-dire qu'il faut être insensé pour poser ce genre de questions. Vous ne considérez pas certains paramètres qui sont très simples. Un pasteur, mes amis. Un homme de Dieu, une personne peut changer ta vie. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Ils pensent que les hommes de Dieu vivent forcément toujours des offrandes, des dîmes. Et ce qui est normal, ce qui est biblique, un homme de Dieu doit vivre des offrandes et des dîmes. Mais ce que les gens ne comprennent pas parfois ou ne considèrent pas souvent, c'est que les gens nous offrent par reconnaissance à l'œuvre de Dieu que nous faisons dans leur vie. L'offrande n'a rien à voir avec. Les dons que les gens nous donnent en espèces ou en nature, sincèrement, les gens, tu pries pour quelqu'un, il est béni, il dit, je vais payer la dîme à l'homme de Dieu, je vais aussi bénir l'homme de Dieu. Ils sont multitudes. Comme j'ai eu l'exemple, j'ai donné l'occasion, le témoignage, comment certaines personnes, j'ai prié, tu pries pour une personne, elle te donne 10 millions. Tu pries pour une personne, il te donne 7 millions. Tu pries pour quelqu'un, il te donne 10 000 euros. Donc, ces choses-là, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils oublient ça. Hein? Et en plus, vous êtes un homme de Dieu. Vous avez des milliers et des milliers de gens en Afrique, en Europe, partout. Imaginez-vous seulement que par mois, tu as 10 000 personnes. C'est juste un exemple que je donne. Chacune de ces personnes-là te fasse un cadeau de 1 000 francs, hormis les offrandes, les dîmes, de 1 000 francs. Ça fait 10 millions. On va parler de 10 000. Donc, les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas souvent à comprendre comment on peut demander pourquoi un chef d'État est riche, pourquoi il a construit un château. Les gens oublient que, hormis le fait qu'un chef d'État soit un chef d'État, il peut avoir des entreprises qui décident de bénir un chef d'État. Ça n'a rien à voir avec sa fonction de chef d'État, mais par reconnaissance. Les gens peuvent arriver, une entreprise dit, OK, pour le chef de l'État du Cameroun, on lui fait
un don de 500 millions, ça c'est personnel, à titre personnel. Ah oui, bien sûr. Donc, ce que ce policier a dit, je lui ai dit que c'est une très mauvaise mentalité. Je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est vous qui méprisez les hommes de Dieu dans ce pays. C'est vous qui méprisez les hommes de Dieu. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Non, non. Mais vous êtes en route pour vérifier la conformité des documents et de ceux qui circulent, ou alors pour insulter les gens, les traiter de voleurs, que c'est eux, ils dépouillent l'église, ils dépouillent les fidèles. Je lui ai dit que vous donnez vos offrandes, combien je vais vous rembourser. Il me répond, moi, je ne passe jamais à l'église. Et vous savez, en enfer, le premier sera le pape. Je lui ai dit, vous serez son adjoint là-bas en enfer. Et je lui ai dit, ce que vous venez de faire là, vous allez regretter ça. Vous méprisez l'homme de Dieu. Vous me méprisez, mon ami. Vous savez qui je suis. Vous ne connaissez pas quelqu'un en route. Vous prenez le risque. Je lui ai dit que normalement, voir même la carte grise, là, ça devrait plutôt vous interpeller. Que non, non, l'homme de Dieu, si, ce n'est pas un mendiant. Il faut quand même être intelligent. Il a dit, OK, comme vous avez fait ça maintenant, je prends ça comme un problème personnel. Vous m'insultez, mon ami. Ça, ce n'est pas moi seulement vous insultez. Vous insultez tous les hommes de Dieu du monde entier. Vous insultez le Dieu que je sais et le saint sacerdoce que je remplis. Il est parti et il a rempli, il a fait ce qu'il devrait faire. Et il revient. Elle est revenue, il me donne la convocation, je la prends et je lui dis, OK, d'accord. Le patron de la police du littoral voudrait vous parler. Je lance l'appel. J'appelle le patron de la police et puis il n'a pas décroché. J'ai raccroché et j'ai relancé l'appel. Quand je relance l'appel, il regarde le numéro, il voit le nom. Il me dit, il s'appelle comment? Je lui donne le nom. Et il commence à me supplier que pardon, il ne faut pas l'appeler. Ouais, ne l'appelez pas. Pourquoi vous vous fâchez vite comme ça? Hein? Est-ce qu'un homme de Dieu doit avoir le sang chaud, se fâcher? Je lui ai dit que vous m'insultez. Vous osez me parler n'importe comment. Hein? C'est comme ça que vous traitez les pasteurs dans cette nation. Et il faut que ça s'arrête. Et il est resté tranquille comme ça. Je l'ai grondé sérieusement. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas imaginer que votre patron, je prie pour lui, vous ne pouvez pas imaginer que votre patron, c'est un ami. Et c'est la vérité, c'est un ami de longue date. Un ami même avant qu'il ne soit délégué, avant qu'il ne soit le patron de la police, c'est un ami. Quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble, quelqu'un de respectueux, mes amis. Je l'ai appelé, il était presque minuit. Presque minuit. Il a décroché. Et la nuit-là, il m'a rappelé plusieurs fois pendant que je conduisais. Après, je lui ai dit, madame, c'est comment? Je lui ai dit que non. J'ai repris, ça va, je laisse tomber. Je lui ai dit que vous ne pouviez pas imaginer que moi, que vous méprisiez là. Votre boss vient à la maison chez moi, il vient, il arrive, on va à la maison, on discute, on cause ensemble, on prie. Et que j'ai prié pour lui. Avant même qu'il monte divisionnaire. Quelqu'un de simple. Et vous êtes un officier, je ne sais pas si la couleur là c'était jaune ou si c'était couleur argentée. Vous m'insultez. Et c'est ça en fait le problème. Les gens ne comprennent pas qu'on s'attaque pas à l'église. On s'attaque aux hommes de Dieu. Et puis, quelqu'un qui est intelligent ne peut pas s'attaquer à un pasteur. Parce que tu ne sais pas pour qui le pasteur prie. Je raconte souvent l'anecdote si au. Un temps, j'ai eu un problème et quelqu'un a eu l'amabilité d'aller me porter plainte à la police pour une histoire où j'étais innocent. Je n'avais rien à voir dans l'affaire. Rien à voir dans l'affaire, mes amis. Et la personne va et on m'amène, on m'arrête dans le commissariat. Les gens là m'ont insulté, parlé mal, méprisé là-bas, saboulé aux pieds. À un moment, j'ai demandé que est-ce que je peux appeler? Si je peux avoir mon téléphone pour appeler. Ils m'ont donné, puis j'ai passé un coup de fil. Et quand j'ai appelé, quelques temps après, l'adjoint au commissaire est venu.
Il a demandé c'est qui tel. J'ai dit c'est moi. Il m'a amené dans son bureau et il m'a demandé, présenté des excuses. Dit qu'il ne sait pas ce que je suis venu faire au commissariat. Pourtant, il a dit à ceux qui ont porté plainte que logiquement, je n'ai rien à voir dans l'affaire. Je suis innocent. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit que le chef du poste demande pardon, a demandé ses excuses. Pourquoi? Parce que la présidence les a appelés. Ils ont reçu l'appel de la présidence de la République du Cameroun. La présidence a appelé pour dire qu'il y a quelqu'un, ça, oui, il faut le libérer. Mais comme il me voyait aussi comme ça, je disais, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, ne méprisez pas les gens. Il ne faut pas mépriser. Tu ne méprises pas quelqu'un, mon ami. Parce que tu as le pouvoir, non? Non. Tu ne méprises pas les gens parce que tu as l'autorité. Il faut faire attention. Donc moi, je pense que notre nation, le Cameroun, a beaucoup de choses à apprendre encore. On a beaucoup de choses à apprendre. Et les hommes de Dieu aussi devraient travailler pour exceller dans leur ministère. Travailler parce que je pense que parfois, pour que l'État nous respecte aussi, il faut que nous produisions des choses qui imposent le respect de l'État, l'excellence. Il y a des infrastructures dans lesquelles nous devrions nous investir, des projets qui accompagnent le gouvernement. Et je pense que nous travaillons à cela et Dieu nous permettra d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Mais un homme de Dieu ne doit pas seulement réfléchir à prêcher dans son église et tout ça, mais à développer aussi la nation, développer les citoyens, les encourager à la jeunesse surtout d'aller à l'école, sachant que la jeunesse, c'est le fer de lance de demain, la nation de demain. Donc je pense qu'il y a une certaine responsabilisation, conscientisation du côté des hommes de Dieu et conscientisation du côté aussi de ceux qui nous gouvernent. C'est important, important, important de le comprendre. L'œuvre de Dieu, c'est au-delà de prêcher dans nos églises. Nous devons voir plus grand. On doit avoir une vision un peu plus élargie sur la nation et sur les nations, sur comment notre ministère peut impacter positivement notre pays, sur comment notre message peut épanouir de façon holistique tous ceux qui viennent pour qu'ils soient des citoyens meilleurs, qui investissent et travaillent pour la stabilité, l'épanouissement, le développement et la prospérité de leur nation. Ça, c'est important pour moi. Donc, je pense que par la grâce du Seigneur Jésus, d'ici les années qui arrivent, les gens reconnaîtront l'œuvre de l'Éternel entre nos mains. Parce que nous avons de grandes ambitions. On a de grandes ambitions. Comme dans d'autres nations, je pense que pour moi personnellement, 2025 est une plaque tournante pour nous, pour notre famille, pour la congrégation baptiste camerounaise et pour la paroisse Réma, pour ce missionnaire Réma, mission. Donc, on va beaucoup travailler. Les fidèles aussi, nous les encourageons à travailler. Nous encourageons les enfants de Dieu à briller parce que nous sommes la lumière du monde. Et la responsabilisation du peuple apportera une certaine révolution parce que nous sommes dans un monde matérialiste où, pour qu'on te respecte, on doit voir quelque chose en toi qu'on ne voit pas ailleurs. Donc j'en appelle à tous les fidèles, tous les enfants de Dieu. La prière, le jeûne, aller à l'église ne sont pas suffisants pour marquer notre génération. Au-delà de ces choses-là, travaillons sérieusement. Pas seulement notre salut, mais travaillons pour marquer notre génération. Demande-toi toujours, quel est mon apport pour développer mon pays? Qu'est-ce que je fais? Parce que du pousseur, en passant par le maçon, pour atteindre le grand entrepreneur, nous contribuons chacun par nos activités. Il n'y a pas de petite activité. Ce que tu fais là, qui peut nourrir une, deux, trois personnes, tu contribues au développement de la nation. Donc, les chrétiens doivent comprendre qu'il faut travailler. On doit retrousser les manches, comme j'aime le faire, pour travailler, pour produire. Travailler de tes propres mains pour avoir de quoi pourvoir tes besoins et aux besoins de ceux que le Seigneur a mis sous ta responsabilité. C'est un peu ce que je me pose souvent comme question par rapport à certains hommes de Dieu qui disent, ah non, que je suis sorcier. C'est pas normal qu'un homme de Dieu puisse être béni financièrement comme ça. Mais moi, je ne reste presque pas chez moi. Je passe mon temps à voyager, à faire des campagnes, à ouvrir des églises, à implanter des églises partout au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier. Et nous le faisons avec passion, parce que c'est notre vie là-bas. Et ça agrandit le peuple de Dieu. Alors, comment tu peux comparer un pasteur qui a dit
personnes à celui qui a 1000 personnes. Ça ne peut pas être la même rentabilité. Parce que dans les 1000 personnes, on peut avoir des richissimes dedans, on peut avoir de grands entrepreneurs, etc., etc. Des gens qui ont de gros moyens, qui à eux seuls peuvent soutenir toute cette mission. Et il faut que les gens comprennent cela. Les hommes de Dieu, la bénédiction que nous on a, ce sont les âmes reconnaissantes. C'est les fidèles qui sont reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des gens qui sont tellement reconnaissants qu'ils peuvent faire des sacrifices énormes pour un homme de Dieu, pour sa famille et pour le ministère. C'est ça la vérité. Lorsque on a des enfants qui viennent parfois de l'Europe ou certains ici, quelqu'un décide que bon, je vais soutenir le ministère, voici ce que je veux faire. Il prend une offrande, il donne à l'homme de Dieu, il dit que ça, c'est pour vous. Mes amis, ça révolutionne la vie de celui qui travaille et c'est notre salaire là-bas en fait. C'est notre récompense que le Seigneur nous a donnée. Et je pense que c'est ça que les gens devraient comprendre des hommes de Dieu. Il faut que les gens comprennent. Je peux avoir une campagne que j'organise en Europe et quelqu'un se lève et dit, OK, c'est 40 millions, je vais payer. Je donne les 40 millions. Ça, on le vit, on expérimente ça. Ouais. Donc, les gens doivent comprendre que dans cette génération, nous voulons que les choses changent, en fait. Les choses doivent changer. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler en Afrique francophone, surtout. Bon, le Cameroun est très en arrière, mais Dieu aidera, nous sommes pionniers de cette œuvre extraordinaire. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse et rendez-vous ce soir, 21h à la Bible et dimanche, nous sommes à la Bible à partir de 8h. La main de Dieu sera puissante sur nous. Je voudrais prendre un peu de temps et pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Partage cette vidéo, aime et abonne-toi surtout à ma page Facebook si tu n'es pas encore abonné. Et quand tu le fais, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.